Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance, c'est une bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est FinTechSB, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. On n'oublie pas le petit pouce bleu, bien sûr de tous rentrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Voilà, vous faites soutenir un créateur et là vous rentrez tous le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui la toute nouvelle saison qui est disponible sur Fortnite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir la toute nouvelle saison, chapitre 4, saison 2, gratuitement, sans dépenser le moindre V-Bucks. Alors, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Simplement, pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous allez soutenir un créateur. Et là, vous allez faire le bouton accepter. Vous allez vous rendre sur le pass de combat juste ici. Et là, vous allez faire obtenir le pass de combat. Là, vous allez faire acheter le pass de combat à 950 V-Bucks. Et là, vous allez faire avec 2800 V-Bucks, voilà, avec 25 niveaux supplémentaires. Ça va vous mettre dans la boutique de V-Bucks. Là, ce que vous allez faire, vous allez partir dans vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Vous allez partir juste ici. Et là, dans quête d'opinion, vous allez activer. Vous allez vous mettre sur nom. Et là, dans recevoir des cadeaux, vous allez vous mettre également sur nom. Là, vous allez faire le bouton appliquer. Et là, vous allez faire se faire rembourser ou annuler un achat. Là, vous allez faire utiliser le ticket de remboursement. Donc, voilà, vous devez faire un achat récent. Là, vous allez faire utiliser le ticket de remboursement. Là, vous allez faire oui, je veux utiliser un ticket de remboursement. Là, ça vous met simplement une petite erreur. Vous allez faire le bouton continuer. Et là, vous allez retourner. Et là, vous allez réactiver tous les paramètres qu'on vient juste de désactiver. Voilà, le bouton quête d'opinion et recevoir des cadeaux. Vous allez cocher les deux sur oui. Là, vous allez faire le bouton appliquer. Et là, vous allez faire le bouton retour. Vous allez retourner au lobby. Et là, vous allez simplement envoyer une assistance à Fortnite. Voilà, vous allez partir dans signalement. Là, vous allez faire signaler un bug ou un joueur. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez descendre tout en bas, boutique casier ou salon. Vous allez cocher la case. Des récompenses que j'ai obtenues n'apparaissent pas. Vous allez cocher la case. Là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Vous allez attendre quelques secondes. Et là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Voilà, c'est vraiment super simple. Envoi du signalement. Là, vous allez faire le bouton fermé. Vous allez retourner encore à vos paramètres. Voilà, c'est vraiment super simple. Et là, normalement, tous vos paramètres doivent être activés comme moi. Alors, recevoir des cadeaux et quête d'opinion. Là, vous allez vous mettre sur le bouton retour. Et là, vous allez retourner à la boutique d'objets. Là, vous allez cliquer sur l'achat du pass de combat. Voilà, tout en haut. Le dernier pass de combat. Et là, vous allez faire obtenir le pass de combat pour 2800 V-Bucks. Ça va encore vous mettre dans la boutique de V-Bucks. Là, vous allez acheter pour 20€ de V-Bucks. Vous allez maintenir le bouton acheter. Là, ça va vous mettre l'écran de paiement de votre plateforme. C'est vraiment super simple. Là, vous allez vite faire un retour au lobby. Et là, vous allez vite envoyer un signalement à Epic Games. Voilà, signale un bug. Là, vous allez faire signaler un bug, descendre tout en bas, boutique casier ou salon. Les objets ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Vous allez cocher à la case. Vous allez faire refaire la capture d'écran. Vous allez attendre quelques secondes. Et là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Ah, c'est vraiment super simple de le faire super rapidement. On voit du signalement. Et là, ce que vous allez faire, vous allez quitter Fortnite et vous allez revenir sur le jeu. Et comme vous avez vu, on avait simplement d'obtenir le tout nouveau pass de combat gratuitement sur Fortnite. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez atteint le niveau 1. Le tout nouveau pass de combat gratuitement sur Fortnite. Vous êtes simplement de l'obtenir gratuitement. Voilà, c'est vraiment incroyable. Plus 5 étoiles de palier. Quoi demander de mieux, tu sais, gratuitement comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube Code Créateur FinTechSB dans la boutique #AD. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à poser votre petit pouce bleu. Et si la vidéo n'a pas marché pour vous, vous devez simplement bien activer la cloche de notification.
notifications pour être au courant des prochains glitchs qu'il va y avoir sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est vraiment super important car IP Games patch vraiment très très rapidement les glitchs ces derniers jours. Alors je vous invite à activer la cloche de notification. Là on va simplement obtenir, là simplement obtenir le tout nouveau pass de combat gratuitement sur Fortnite. C'était Fintex, allez, ciao tout le monde.